Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du lien de la connexion. On ne peut pas ne pas être connecté, bien entendu, je vais expliquer. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres effectivement qui cherchons le lien. On se développe depuis tout petit parce qu'on est en lien. C'est mieux d'avoir un lien, même parfois pas super bon, que de ne pas avoir de lien du tout. C'est prouvé, les enfants qui étaient juste nourris durant la guerre mais qui n'avaient pas de contact réellement humain, pas suffisamment, se sont juste laissés mourir. C'est une vraie expérience et donc en réalité, on sait depuis qu'en tant qu'être humain, on a besoin de liens sociaux. C'est très important parce que beaucoup de personnes vont dire « Mais comme j'ai souffert en relation, eh bien je ne cherche plus de liens, je ne veux plus être dans des liens. » On a aussi prouvé que ce sont pourtant les liens, les bons liens, qui vont réparer justement ce qui a été malsain, les mauvaises relations en fait. Parce que forcément, dans le monde, on ne peut pas vivre que des bonnes relations, que des belles expériences. On est aussi là pour apprendre ce qui est bon ou non pour nous, quels sont vraiment nos besoins, qui nous sommes, et justement ce qu'on recherche. On ne cherche pas tous exactement la même chose quand on est en lien. On n'a pas forcément envie de rencontrer le même type de personne, par exemple en amour. Donc effectivement, en fonction de nos expériences, de notre personnalité et de nos choix, parce que ce sont aussi des choix, eh bien on s'oriente d'une façon ou d'une autre vers une personne ou une autre, un milieu ou un autre. Donc effectivement, il y a des choses qui vont résonner pour nous. Par exemple, si on a connu déjà quelqu'un dans le passé, ça peut être notre grand-père, notre père ou bien quelqu'un de la famille qui pour nous a compté particulièrement et on rencontre quelqu'un qui a des caractéristiques physiques de cette personne, probablement on va ressentir de la sympathie pour cette personne plus rapidement parce que cette personne a des caractéristiques. Peut-être c'est dans sa façon de parler, peut-être c'est dans sa façon d'être et de bouger, mais on va reconnaître ce qui nous est familier. Donc directement, on est influencé. Penser qu'on fait des choix qui sont forcément exempts de tout ce qu'on a vécu dans le passé est quelque chose de faux. On est toujours conditionné d'une certaine façon, marqué d'une certaine façon. Donc on va s'orienter vers une personne avec qui on se sentira à l'aise parce que cette personne représente quelque chose pour nous qui est aussi symbolique. Et donc effectivement que on ne peut pas être neutre. C'est impossible d'être complètement neutre face aux autres. Et justement, c'est important de comprendre que quand on est critiqué par quelqu'un, cette personne, elle projette un minimum sur nous. Il y a forcément des choses que cette personne a vécues qui vont faire écho en elle par rapport à qui nous sommes. Et il y a beaucoup plus de chances que cette personne, elle parle d'elle que de vous, en fait, surtout si elle ne vous connaît pas. Et donc effectivement que du coup, il faut savoir garder un certain recul sur les relations, sur comment ça se déroule et surtout quand on est meurtri par quelque chose, comprendre de quoi ça vient. En réalité, éviter les relations, s'isoler complètement, c'est pas du tout une solution. C'est pas ça qui va vous soigner, vous guérir. Au contraire, c'est le fait de revivre des belles émotions avec une nouvelle personne, par exemple, au niveau du couple, qui peut tout à fait vous aider. Maintenant, si vous êtes dans une recherche permanente d'obtenir du soutien d'une autre personne parce que justement vous êtes blessé, là, vous essayez de compenser et c'est pas du tout la même chose. Donc, je vous ai toujours conseillé d'être bien d'abord avec vous-même parce que c'est super important, sinon on risque de s'accrocher à quelqu'un de façon obsessionnelle et de ne pas savoir fonctionner seul sans cette personne. Et donc du coup de demander la lune à cette personne, d'être hyper exigeant et de soi souffrir de l'absence de l'autre. Donc pour éviter tout ce qui est cette souffrance, cette non-autonomie, et en fait parce que souvent ça vient du fait qu'on ne croit pas suffisamment en ses propres capacités, il est mieux de se retrouver à certains moments seul pour pouvoir développer ses capacités, pour pouvoir avoir confiance en soi, pour justement être moins angoissé quand on est en relation, pour ne pas s'accrocher désespérément comme le ferait un jeune enfant qui n'a pas d'autre moyen de subvenir à ses besoins. Donc en fait, apprendre soi-même à subvenir à ses besoins est quelque chose d'essentiel. Être bien avec soi, avec son passé, est aussi essentiel pour ne pas reproduire justement quelque chose qui justement nous a
marqué. Par exemple, si j'ai manqué de quelque chose dans mon enfance, probablement, je vais mettre un point d'honneur à l'obtenir actuellement dans ma relation. Donc, autrement dit, je vais aussi composer mes nouvelles relations par rapport à ce que j'ai vécu avec les anciennes. Plus je suis à l'aise, plus je comprends en fait tout ce qui s'est passé dans mes anciennes relations, et on est tout le temps en train de comprendre certaines choses qu'on n'avait pas comprises, de percevoir certaines choses qu'on n'avait pas vues. Donc, en fait, on n'est jamais, jamais, jamais neutre en relation. Eh bien, du coup, plus on a fait un travail sur soi, plus on est bien avec soi-même, plus on a confiance en ses capacités, plus on sait qu'on peut apporter à l'autre des choses super intéressantes, et plus on va justement se positionner de façon plus zen, en tout cas, par rapport à l'autre personne, de façon plutôt à l'accueillir, à être plus centré sur qui est cet autre, qu'est-ce qu'on va composer ensemble, comment on va créer un couple, une amitié, une relation, plutôt que d'être centré sur ce qui me manque, ce que je veux moi, donc d'être égocentré. Et le problème souvent c'est ça, c'est que quand on a souffert, on est trop centré sur ce qu'on va récolter absolument. Et donc finalement on ne laisse plus la place à une certaine liberté de relation, de créer pour nous. Donc on va s'obliger à être parfait ou à être comme ceci, comme cela. Et là c'est la source de beaucoup de souffrance. Donc en réalité, quand on a vécu des choses traumatisantes, comme par exemple on a été en lien avec un pervers narcissique, on en a souffert, on aura tendance à se dire « Ok, si je ne suis plus jamais en couple, ben, techniquement je ne devrais plus jamais repasser par cette chose qui m'a vraiment traumatisée, c'est-à-dire le fait d'être sous dépendance, c'est quelque chose dont je ne veux plus. Si je ne suis plus en lien, je ne peux plus être dépendant en tout cas. » Mais vouloir absolument être indépendant de tout le monde est un leurre complet parce que nous avons ce besoin relationnel au niveau humain. Et que même ce besoin relationnel est ce qui grandit la vie. Quand on se prive complètement de relations, eh bien on s'isole complètement et quelque part on n'évolue plus, on n'apprend plus et surtout on reste bloqué dans des peurs. Une façon de justement réouvrir la vie et de débloquer des peurs, c'est de recommencer à apprivoiser les autres, à faire des expériences pour déterminer quel type de personne me conviendrait dans l'amitié, dans l'amour ou en partenariat professionnel. Donc, de quoi moi j'ai besoin, plus je suis lucide là-dessus, plus aussi je sais ce que j'ai à proposer ou non, et plus aussi je sais dire bah stop, ça c'est vraiment pas ce que je recherche. Par exemple, quelqu'un qui me maltraite et qui me rend la vie douloureuse, bah, c'est vraiment pas ce que je veux. Donc du coup, je vais mettre des barrières et dire non, stop, là, je n'y vais pas, tout simplement, cette personne, je ne l'autorise pas à rentrer en relation avec moi, effectivement. Là, je suis intransigeant. Mais par contre, effectivement, quand une autre personne, eh bien, je ne sais pas qui elle est, je peux attendre un moment pour voir un petit peu, pour prendre mesure de qui est cette personne, de est-ce qu'on a des choses à partager ou pas, et est-ce qu'on va être tous les deux gagnants. C'est vraiment en mettant le point central sur le fait d'être tous les deux gagnants qu'on sait que ça ne sera pas une relation d'emprise et de manipulation. Parce que dans l'emprise, il n'y a qu'un des deux qui est gagnant et l'autre est souffrant, justement. Donc vraiment, quand on ne veut plus retomber sur un pervers narcissique, on apprend simplement à recréer des relations et du vrai lien parce qu'on a besoin de l'authentique. On ne renonce pas à ses rêves de couple amoureux ou de belles amitiés, où on ne renonce pas au fait de créer avec l'autre, justement, parce que ça grandit la vie, mais on va justement prendre mesure de ce qu'on a vécu pour en faire quelque chose qui crée le lien, la relation. Et plus la relation à soi est une belle relation, on a confiance en nous, on perçoit les capacités qu'on a, tout ce qu'on peut justement aussi partager avec l'autre, mais avec soi. Quand justement on se dit « je suis une personne, en tout cas correcte, donc je n'admets pas que quelqu'un vienne me dégrader, m'humilier à répétition, parce que ce n'est pas la façon dont moi j'ai l'habitude de me traiter. Et comme je me traite comme ça dorénavant, ben je ne laisse pas facilement rentrer dans ma vie des personnes qui me traiteraient mal. Ça me semble complètement illogique et loufoque si cette personne fait ça, parce que c'est trop loin de ce que je fais d'habitude avec moi. » Évidemment, tout
et dans la juste mesure si vous avez un bon rapport avec vous, donc un rapport qui est sain, qui est plutôt porteur, donc vous êtes vous en train, non pas de vous admirer à l'excès, mais au contraire en train de vous dire ok, j'ai des qualités, j'ai des défauts, je les connais, c'est ok, je suis ok avec ça. Donc, j'ai pas peur de quelqu'un qui viendrait pointer du doigt mes défauts éventuels, puisque je suis à l'aise avec ça. Donc, je suis prêt à partager ce qui fonctionne chez moi, mais aussi ce qui ne fonctionne pas forcément. Et comme je suis prêt à composer avec l'autre, à partager aussi mes fragilités, si je le fais avec quelqu'un de respectueux, ça me renforce. C'est une source de plaisir finalement, et aussi une source d'évolution où je peux apprendre, apprendre l'amour parce que oui ça s'apprend, apprendre l'amitié parce que oui ça s'apprend, tout ça ne va pas de soi, mais attention pour apprendre, il faut aussi apprendre à avoir moins peur, à se débloquer, à justement savoir s'orienter vers des personnes qui sont bonnes pour nous, qui sont respectueuses en tout cas suffisamment pour que justement on puisse avancer. Voilà en gros ce qu'on doit viser quand on a connu des relations toxiques et surtout pas rester tout seul tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on évite la solitude parce que ça aussi montrerait qu'il y a un problème. Si on sait être à la fois avec quelqu'un mais qu'on sait aussi être seul et être bien dans les deux, alors on a la plus grande chance de créer une relation qui soit équilibrée, surtout quand on rencontre quelqu'un qui en face a ces mêmes aptitudes justement. C'est vivre des choses seules et apprendre des choses qu'il va venir partager avec nous parce que justement cette personne sait être seule, mais c'est aussi composer et c'est pour ça qu'il y a un vrai partage, un vrai échange. Et dans ce cas, on apprend les uns des autres et ça grandit la vie et même c'est tout le sens de l'expérience d'être en lien. Et nous avons besoin d'être en lien avec nous et avec les autres, même avec l'univers, avec la nature, avec l'humanité de façon générale. Plus nous sommes en lien, et ça peut être spirituel aussi, plus nous sommes en lien et plus nous avons de possibilités de nous épanouir. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien, 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 bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez justement en commentaire. J'ai compris l'importance du lien. Voilà, prenez bien, 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 bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi consulter mon site où j'ai toute une série de formations qui pourront vous aider si vous avez été en relation avec une personne toxique, si vous avez des parents pervers narcissiques ou si vous avez un fonctionnement de haut potentiel et que vous recherchez à vous épanouir. Donc, je vous laisse consulter ça en part d'infos. Profitez-en parce que pour l'instant, il y a 100 € de réduction sur les grosses formations. Donc vraiment, c'est une aubaine dont vous pouvez profiter. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.